Ce siècle est le siècle de l'aviation. Et la Terre vue du ciel est un spectacle toujours merveilleux que des millions de gens admirent chaque année. Les gros quadrimoteurs sillonnent nos ciels familiers, rythment nos journées, prolongent nos vacances et nous font découvrir de nouveaux horizons. Leurs 40 tonnes fendent... C'est un hôtel, un palace, une usine volante, réglée comme une montre et docile à la voix de celui qui la pilote. Brassos Tower, from Obo, Obo, Cable William Ankle, from Obo. Obo William Ankle, Brassos Tower, Roger. Runway News 25, the wind at 250 degrees, 10 knots. Queenie Fox, CZ 2980, over. Les aérodromes modernes connaissent une grande activité. Sur les terrasses, le public vient comme au spectacle prendre un acompte sur le voyage projeté ou une compensation à celui qu'il ne pourra effectuer. Faire voler un avion est une grande entreprise. Le voyageur dans la carlingue, qui aperçoit quelquefois l'équipage qui le mène à bon port, s'en doute bien un peu, comme le devinent aussi ceux qui, du sol, admirent les évolutions des grands oiseaux de métal. Mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les coulisses. L'aviation a les siennes, comme le théâtre. Et puisque c'est l'entracte, allons les voir. Suivons cette air hostesse qui va se reposer entre deux vols. Ces jeunes hommes animés, ce pilote au regard plus mûr, c'est l'équipage. Le navigateur, le mécanicien, le radio, le pilote ou le steward exercent l'un des plus beaux métiers du monde. Mais le droit de coiffer cette casquette, de revêtir cet uniforme, d'arborer ces galons, ne s'obtient qu'après des épreuves sévères. Avant tout, il faut une santé remarquable. Celle de tout le personnel navigant est constamment surveillée. L'ouïe d'abord, la vue ensuite. Puis on écoute les battements du cœur, on prend la tension. L'hôtesse de l'air, qui vient d'entrer en service, tout comme le pilote chevronné, qui a des milliers d'heures de vol à son actif, sont soumis, tous les trimestres, à de semblables examens. Et il faut chaque fois les passer victorieusement. Pour maintenir à jour leurs connaissances techniques, les pilotes s'entraînent au Link Trainer. C'est un appareil qui reproduit en miniature les conditions d'un vol réel. Au tableau de bord, même cadran de surveillance relié par fil à une table de contrôle. L'instructeur guide le pilote, enfermé dans sa cabine, et à la voix, le fait atterrir sur les aérodromes du monde entier. Une traînée d'encre sur le verre permet de vérifier l'exactitude de la manœuvre. Après les exercices en salle, les épreuves pratiques. Pour le vol sans visibilité, on se sert d'un système de volets actionné par l'instructeur qui fait ainsi à sa guise la pluie et le beau temps. Chaque bimoteur doit pouvoir voler et atterrir à l'aide d'un seul moteur. Les équipages qui assurent les liaisons transatlantiques sont, comme les marins, entraînés au fonctionnement des appareils de sauvetage dont est muni l'avion. Ce paquet de toile qui a l'air de se gonfler comme une baudruche est un canot pneumatique. Non, non, le radio ne moue pas le café. Il lance un appel sur un poste émetteur. L'équipage aménage l'île flottante qui dispose de nombreux moyens de signalisation. Monsieur, monsieur, allons, regardez plutôt l'appareil. Lui aussi a une ligne élégante. Il s'en va vers son hangar. Tout comme les médecins, les ingénieurs appliquent le principe que l'art de guérir, c'est d'abord celui de prévenir les maladies. Après chaque vol, ce gros quadrimoteur va se faire toiletter, comme un caniche. L'ingénieur monte à bord et va consulter le rapport du mécanicien et du pilote. Quelle que soit l'importance du voyage effectué, l'appareil est vérifié. Son train d'atterrissage est soigneusement nettoyé. D'autres membres de l'équipe se penchent sur les moteurs.
sur les magnétos. Ou vérifie le jeu des gouvernes. Après 150 heures de vol, l'avion est ausculté plus longuement. Des spécialistes affirment qu'un avion, comme un homme, peut être fatigué, surmené, grippé. Alors il a de la fièvre, il vibre. C'est sa façon à lui de faire de la température. Tous aussitôt s'affairent autour de son grand corps. Comme pour les hommes, le diagnostic n'est pas toujours facile. La navigation aérienne fait appel à des engins de bord aussi nombreux que variés. Il ne suffit pas qu'ils fonctionnent, il faut encore qu'ils le fassent avec le maximum de précision. Tel ce goniomètre, qui est à l'avion ce qu'est au pigeon voyageur, le sens de l'orientation. Le calibrage des altimètres et des indicateurs de vitesse est particulièrement surveillé. Non, non, ceci n'est pas une prison. C'est un double treillis de cuivre qui isole les appareils du monde extérieur et permet une vérification à l'abri des parasites. La voix de l'avion, c'est sa radio. Elle doit être sans défaut. Encore s'agit-il de la retrouver dans ce fouillis de fils et de pièces diverses. D'autres instruments de bord exigent un entretien et un contrôle plus minutieux encore. Chaque pièce possède sa carte d'identité. Heure de vol, révision, réparation, tout y est noté. Elle l'accompagne dans ses pérégrinations à travers les ateliers. Aucun instrument n'est remis en service avant d'avoir été contrôlé. Comme ici ce pilote automatique, sont soumis au banc d'essai qui reproduit au sol les conditions exactes que connaissent les instruments en plein vol. L'homme possède un système circulatoire. Les avions, eux, ont un système hydraulique, actionné par des pompes. Comment un chimiste pour faire voler un avion? Bien sûr. Qui donc vérifierait la qualité des huiles, des couleurs, des vernis? Qui s'occuperait de l'argentage, du cuivrage des pièces, du cadmiage des instruments, si ce n'était lui? Le cœur de l'avion, ce sont ses moteurs. Après 1000 heures de vol, on les démonte pour les réviser. Rien de tel qu'un bon bain et un brossage énergique pour avoir raison du cambouis. Après 8000 heures de vol, l'avion est entièrement démonté. On le décortique, on le réduit à ses composants. Et le grand amusement de ces messieurs les virtuoses de la technique est de tirer de 20 000 pièces détachées un quadrimoteur rajeuni qui repartira à l'assaut du ciel. Les pièces essentielles sont soumises à des examens qui utilisent les procédés magnétiques ou fluorescents, tel ce magnaflux. Ainsi se décèlent les moindres défauts qui échapperaient immanquablement à l'œil nu. Suivant son calibrage, ce cylindre sera mis au rebut ou déclaré bon pour le service, naturellement, après un bon rodage. Sortant d'un véritable bain de jouvence, élément par élément, le moteur se reconstitue et à mesure qu'il retrouve sa forme, se gonfle de puissance. Quelques heures au banc d'essai vont assurer son rodage.
cette hélice ne pèse pas moins de 260 kg. Quelques grammes de limaille suffisent à l'équilibrer et à donner un aperçu de la minutie avec laquelle sont effectués les travaux de mise au point du matériel volant. L'amour du travail bien fait règne ici en maître. Ce ne sont plus seulement des ouvriers, ce sont des techniciens, des spécialistes, des artisans. La magnéto fait des étincelles, et régulièrement. On chronomètre le débit du carburateur. Quelle consommation ! 50 litres à la minute ! Cela explique que des camions ravitailleurs de 10 000 litres et plus sont toujours présents sur les aérodromes pour vider entièrement leur contenu d'essence dans les réservoirs de l'appareil. Et quand l'avion est tout nu, il s'agit de le rhabiller. Son tailleur sera l'atelier de tôlerie qui lui fera un costume sur mesure, tandis qu'on préparera des sièges confortables pour ses futurs passagers. Des techniciens de l'aéronautique civile contrôlent constamment la bonne exécution des travaux. L'appareil n'est remis en service qu'après avoir subi avec succès des contrôles à terre suivis d'un vol d'essai. Enfin, l'avion est au point. Il va rejoindre ses confrères, prêts à s'élancer vers de nouveaux horizons. L'obscurité naissante a fait partir les visiteurs. Vous nous quittez déjà, monsieur? Dommage. L'entracte n'a pas encore pris fin. Voyez, l'arrivée des bagages annonce un prochain départ. Celui d'un long courrier. Pendant que les passagers arrivent, les télétypes ont fourni la situation météorologique sur les différentes routes du ciel. Le navigateur en prend connaissance, étudie les indications de la carte du temps et va dresser son plan de vol pour utiliser les vents les plus favorables. Un avion doit être bien équilibré et son chargement bien connu. La répartition des marchandises dans les cales est vérifiée par le commandant de bord qui va piloter l'appareil. Quand il a choisi la meilleure route à suivre, le navigateur remet son itinéraire aussitôt transmis à l'aérodrome de destination. Ainsi, du sol, sans arrêt, l'avion sera surveillé. Les passagers voyagent dans la cabine. En dessous d'eux, ce sont les cales où s'engouffre le frais. Voici la cuisine terrestre de notre hôtel volant. Viande, légumes, volailles, gibier, pâtisserie, tout s'y trouve pour la satisfaction et la gourmandise du voyageur moderne. Placé dans une marmite spéciale, le menu de tout à l'heure achèvera de cuire en plein ciel. Pour nourrir 50 personnes, il faut un équipement tel qu'un petit train suffit à peine pour l'amener à l'avion. Alle passagiers met bestemming New York pour Sabena vliegtuig worden verzocht zich onmiddellijk naar het tolkantoor te begeven. Attention s'il vous plaît, tous les passagers à destination de New York par avion Sabena sont priés de se présenter immédiatement en douane. Attention please. Will all passengers to New York by Sabena aircraft please report immediately to the customs.
L'entracte est achevé. En route. Le cockpit, le pilote tient les commandes. ATC clears you to climb to 12,500 feet. Over. Clear Brussels Stars. Obo Willie Baker, Brussels Tower, good night out. À l'arrière, dans sa cuisine volante, le chef coq organise les plaisirs de la table. Oui, de nos jours, voler ce n'est rien autre que se laisser choyer à 500 km à l'heure. C'est se refaire une beauté à 6000 mètres d'altitude. C'est regarder passer le marchand de sable, car il est de son temps et il emprunte lui aussi la voie des airs. C'est être insouciant et vouloir tenir compagnie au moteur qui vous emporte. C'est être comme chez soi, au milieu des nuages. Oui, le pilote conduit l'avion. L'hôtesse lui donne son sourire. Le navigateur le guide, le radio le situe, le mécanicien le surveille. Mais les artisans du service technique. Technische dienst, die onzichtbare ploeg, aan het vliegtuig hun zorgen en hun vakkennis gewijd. Zonder hen is de bemanning niet volledig. Samen scheppen zij dat dagelijks mirakel, de luchtvaart.